assis sur le trône. Yeah.
Que ça coûte, ici en ce lieu, que
ça coule maintenant. Que ça coule, que ça coule. 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 Ici en ce lieu. Que ça coule maintenant. Que ça tombe, que ça tombe. Que ça coule, que ça coule. 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 Ce lieu. Que ça coule maintenant. Que ça tombe, que ça tombe. Que ça tombe, que ça tombe. La gloire de Dieu. Que ça tombe, que ça tombe. Sur les miracles. Que ça tombe, que ça tombe. Ici en ce lieu. Que ça tombe maintenant. Yeah.
coule, que ça 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 coule, ici en ce lieu, que ça coule maintenant. Yeah.
mon père, 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 mon père. Agitez, ne restez pas indifférents. Quand l'eau est agitée, faites tout pour être mouillé. Faites tout pour tomber dans la piscine et recevoir votre miracle. Le Saint-Esprit est en train de mouver. Le Saint-Esprit est en train de souffler. Le Saint-Esprit est en train de guérir, de délivrer. Le Saint-Esprit est en train de rendre certaines personnes capables, certaines personnes qui étaient incapables autrefois, deviendront capables. La Bible dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Et cet esprit est action, est en action. Maintenant là, l'esprit est en action. Il est en train de souffler dans la salle. Les kystes sont en train de disparaître. Les kystes, les myomes, les stériles sont en train de concevoir. Hey, abababababa. Erete kabarobosa. Hey, amamamaraba. Et rampante de barobo. Que l'Esprit de Dieu te touche. Là où tu te sens malade, tu touches. Là où tu es malade, touche. Et reçois ton miracle. Le Saint-Esprit est en train de baptiser du feu et de l'esprit. Et de l'esprit. Dieu est en train de délier la langue de plusieurs personnes. Tu dois parler en langue aujourd'hui. C'est ton jour. C'est ton jour. Je délie ta langue. Commence à parler en langue. Eh mamara babasa. Eh rotorobakia. Inoma shakoku. Erabaya Sataraka. Hey! L'eau de la piscine de Bethesda est agitée. Est agitée. L'eau est agitée. L'eau est agitée. Sama mama mama bossa. Ema shatari arabasi andere bossa. Ma brada la dia da bossa tala ma kai de bossa. Ma brada dia da bossa tala ma kai. Que l'esprit de Dieu te touche. L'esprit de miracle, l'esprit de délivrance, l'esprit qui nous convainc de pécher est en train d'agir, l'esprit de la liberté et de la salle. Et la
Holy Spirit. Azizo que tane ko barada shata la maga yerebos. Oyo sonta itareka. Iya baba baba. Aneri ala mos ya daraba kaka barelele shata. Ela ho shata riama. Maraka dari yerebos ya belele shata. Mandari ala mos ya terama ala mos. Restez calme dans la présence de Dieu. Vanda kimia na bozali samia nzambe. Les esprits des prophètes sont soumis. Milimo ya basakoli et sokamela kamosakoli. L'eau qui vient d'être agitée nous donne l'occasion de d'être des participants de la nature divine. Et pèse biso libaku et bisoto sangana nangala ya lolenga bonzambe. L'eau qui vient d'être agitée. Mai o utiko ningi sama. Nous donne nous tous l'occasion. Et pèse biso nyonso libaku d'être participants de la nature divine. Tokota na kati nangala ya bonzambe. Recevez un miracle.
Recevez votre guérison. Recevez votre délivrance. Recevez votre conversion. Recevez votre miracle final. Recevez votre mariage. Recevez vos enfants. Recevez votre travail. Recevez. Au nom de Jésus. Le feu s'est allumé. La forêt a pris le feu. Toutes les bêtes sauvages sont en train de fuir de tous les sens. Toutes les bêtes sauvages sont en train de fuir en ce moment. Qui sont ces bêtes sauvages? C'est l'esprit de mort qui est en train de fuir. C'est l'esprit de la sorcellerie qui est en train de fuir. C'est l'esprit de péché qui est en train de fuir. C'est la maladie qui est en train de fuir. C'est la pauvreté qui est en train de fuir. C'est ce lieu est embrassé par le feu de l'esprit. Les miracles sont en train de s'opérer maintenant. Marapose et Kayaza. Yes. Tu sauras que tu étais dans la présence de Dieu. Tu ne vas pas réaliser quand le miracle s'opérait. Mais en sortant d'ici, tu te rendras compte que tu étais réellement dans la présence de Dieu. Je sens commence à rendre grâce à Dieu. Dis-lui merci pour la visitation. Dis-lui merci pour le miracle. Dis-lui merci, je ne sais pas ton problème. Mais Dieu connaît ton problème. Ne reste pas la bouche bée. Parle. Remercie ton Dieu. Par la foi. Retiens que Dieu t'a visité. Commence à lui rendre grâce. Commence à lui dire merci pour la guérison, pour la visitation, pour l'exaucement de ta prière. Parle à ton Dieu. Dis-lui merci. Seigneur, merci. Merci. Merci pour ce dimanche spécial. Merci. Nous n'oublierons jamais ce jour. C'est un jour inoubliable. Historique. Reçois. Au nom de Jésus. La combo de Jésus. Matoni pour la guérison. Matondi nongo tomboli mituna miso. Matondi opangusi maya misu. Matondi osilisi matamba. Matondi osilisi bitumba. Matondi osilisi kolela. Matondi opusi malimiti. Matondi nzambe opesi bozui na mobola. Matondi opesi bana na batoyo bazako kauka. Matondi opesi bana na ekomba. Matondi nzambe opesi esepo. We give you glory.
Only Jesus is Alpha. Kaka Yesu ndazali ebandele. Only Jesus is Omega. Kaka Yesu ndaza suka. No one else. Mutu mususu te. Can take control of your life. Mutu mususu te ko yakoswa kiti ya mokonzi ya bomo inayo. Except Jesus Christ. Kaka Yesu Masia. Before you die. Liboso yo kufa. If Jesus say no. Soki Yesu alomite. You will not die. Okufa te. You will not die. Okufa te. If your enemies say soki bangulo no balobi that you die poor. Yo okufa mobola. If Jesus say kaso Yesu alobi you will not die poor. Okufa mobola te. I say you will be rich. Albi yo okoma bozi. The principal actor of your life is Jesus Christ. Mokolo seni ya vina yo zaka Yesu. Apart from Jesus, there is nobody else. Soki Yesu te mususu te. I want you to put your hand together. Na lingio osangisa maboko na yo. And begin to clap your hands for the glory of God. Banda gobete la Yesu maboko matata. Yes. Yeah, Lord. Acteur. We proclaim you. Et metteur en scène. You proclaim you. Odoko proclamer the main actor of our life. Metteur en scène. Nobody else. Réalisateur. Nobody. Mosusu te. Mosusu te. Only you. Jesus. Thank you. Hey, yeah. Thank you. Amen. Thank you. Concepteur. Réalisateur. Metteur en scène. Hier, vous donnez un objectif. Acteur. Carayé. Vous devez jouer un rôle principal. Il est l'acteur. Il est le metteur en scène. Le réalisateur. L'acteur principal. De même encore un metteur en scène. Acteur principal est lui. Les chanteurs au Samaya. Le réalisateur. L'acteur principal de nos vies, le metteur en scène, le réalisateur, le concepteur, Kakaye. He makes way where there is no way. Afongo la kanzela biskanzela za la raté. He gives many things where there is nothing. Ya ton di sarabilo kona bisiko ezaki akokauka. He says something when nobody says nothing. Yeah, ayaka koloba maloba na bisiko batwa kokanga koloba te. His name is Jesus Christ. Komo na ezali Yesu Masiya. Only Jesus. Kaka Yesu. Apart from Jesus. So, nobody. Toyebi mosusu te. No one. Toyebi mosusu te. The special Jesus Christ. Oya bokese ezaka Yesu Masiya.
is working this morning in your life. Because I call him the special. As I call him the special, you will be special today. Something new happens in your life. Nothing that was impossible yesterday, but I say today. It is made possible. Receive it in the name of Jesus. Take your seat. What a Sunday. What a meeting. I'd like you to keep that fire on. Don't keep it off. Save this fire to the end. God will still be working during my preaching. It is your day. I make you sure that it's your day. You will never go away from your objective. You will hit your target this morning. Thank you, Jesus. Oh, matondi nkolo Yesu. Let us read these three verses. Totanga ma matangi oyo. I have three verses. Nazali na milongo misatu tokotanga. The first one is in the book of Isaiah 55. Yali boso eza na Isaiah 34, 35. 55. 55. Isaiah 55. Verse 10. Molongo ya Zomi, verset 10. Isaiah 55, verse 10. Yaliboso Isaiah chapitre 55, verset 10. The second verse is in the book of Deuteronomy. Yami bale ezali na kosonge la mibeko to Deuteronome. Chapter 8. Mokapo ya mine ya mwambe. From 6 to 10. Bana molongo motoba kino o ya Zomi. From 6 to 10. Bana molongo motoba kino o ya Zomi. This is not time to sleep in the church, please. If you feel like sleeping, stand up and begin to walk on. The third verse is in the book of Genesis 41. Verse 33. You're right. Are you there? Est-ce que tu commis? Are you there? Will you stand on your feet, please? Est-ce que vous êtes likolo to tanga litangi? And we give the floor to our readers. To sengi na batangi na biso. Read all those verses, please. Batangi la biso milongo nyoso misatu to tiko pesa. And I would like you to pay attention to what they be reading. Nako sepela olanda na bokebi litangi ya Biblia. Do every possible to understand all the three verses. Salama kasi nyoso okoka atana sima kotanga kasi ososo la nenge batangi. Go. Banda kotanga Isaïe. Isaïe 55:10, nous lisons dans Jésus, comme la pluie et la neige descendent de cieux. Et n'y retourne pas sans avoir arrosé. Féconder la terre. Et fait germer le plante. Sans avoir donné de la semence au semeur. Et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole. Yes. Enough. Go to the second. Deutéronome 8, 6 à 10. Yeah. Tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu. Pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel ton Dieu
va te faire entrer dans un bon pays. Moi je dis, l'Éternel ton Dieu te fait entrer dans une bonne année. Si dans la Bible on dit dans un bon pays, et la semaine passée on priait si emparons-nous de Jéricho. C'est que nous sommes en train de conquérir l'année 2023. Et je déclare que 2023 est une bonne année pour toi. Tatoli pour nous que 2023 est une boule qui tourne au père madame pour nous. Pays de cours d'eau, de sources et de lacs. Moka, où est-ce que tu as Matima, mpe maya monana. Qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Pays de froment, d'orge et de vigne. De figuiers et de grenadiers. Pays d'oliviers et de miel. Pays où tu mangeras du pain avec abondance. Où tu ne manqueras de rien. A déclaré. Yes. Déjeuner na yone si ka li pa e komi shawarma. Ah. Oba na kolia kolega lobi. Dans ce quartier désert. Yes. Nous avons conquéri Jéricho. Yes. Mboka ya ba ebale ya bambu makitoko. Fini déjeuner ya ko defa lipa na mama lipa bongo na poko ya ko futa. Fini makama ko mela ti obimi le bana o fini ba poso nguba o fuli. Que Dieu te donne. Déjeuner ya terre promise. Bilia ya tonga mabele le laka. Yes. Vas-y. Pays dont les pierres sont du fer. Et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasieras. Bon. Tu béniras l'Éternel ton Dieu. Lorsque tu mangeras. Je reçois ça. Oui, ma fille. Tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Bon amour et qui t'occupe la paix. Bon amour et l'engueu la paix. Amen. Amen. Yes. Le dernier verset. L'Italie Yasuka et Bandeli. Genèse 41-33. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage. Okay. Et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Amen. Amen. Verset 41. Genèse 41. Verset 41. Non, verset 35. Verset 35. Excusez-moi. Genèse 41, 35. Qu'il rassemble tout le produit de ces bonnes années qui vont venir. Bongo, basangisa bambu manyoso ya bambula nyoso kitoko yo ekoya. Qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon. Bongo, asala nyoso na sala bokonzi ya palo. Des amas de blé. Akangisa mabuke mabuke ya ya boulé. Des approvisionnements dans le ville. Baki bombi epai na ipai na kati ya bingumba. Et qu'ils en aient la garde. Ne bongo batwanga batwana ba manako senzela biloko wana. Amen. 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 Merci. Amen. Batondi tozongeli bakiti. J'accueille nos frères et sœurs qui étaient depuis un certain temps absents parmi nous.
Nabandiko ya manano bandeko na biso abasi bibali oyo basali kwa mikolo ebele tozomo na bangote de l'extérieur d'ici ba mosusu bazaki libanda mboka notamment je reçois le couple papa Benoît et maman Marlène Nayami papa Benoît na maman Marlène on n'a pas vu depuis des mois durant tomo na bango mwa kala esali ba mbasanza nous vous aimons beaucoup papa to lingi bino mingi tata notre papa est un ingénieur tata azali ingénieur il a donné son expertise son temps pour construire ce que vous voyez là en face. Mais s'il n'était pas là parmi un certain, durant un certain temps, parce qu'il est allé participer à la construction des chemins de fer qui partira de Lubumbashi, de Ndolo jusqu'à Angola. Yende akei bango babanda kotia mabanga liboso basala nzela ya mabende ko uta lumbashiti na Luanda. Le gouvernement s'est investi là-dessus pour construire un chemin de fer. En kita yamboka bamikoti sina maele na mosolo bango basala nzela ya mabende. Il fait partie de ces gens-là qui sont là pour accomplir cette œuvre. Azali moko ya bato ya maele o bako kende pona kosala nzela ya kaulu. Bon retour papa, bon retour maman. Bozongi malam tata. Vous êtes dans la maison de votre père. Et je reçois Maman Kabibi aussi. Maman Kabibi pena yambio. Très longtemps. Sali mikole belé. Elle était absente de nous. Tozali komona ote okende mosika. Je crois cette fois-ci c'est pas Canada, c'est Lubumbashi. Yamalo ezaki Canada, Canada te. Ezaki na Goma. Canada. Bongo siko de konanga yo zo luka visa Canada vraiment. En tout cas, lobby ango. Loba. Nenga coronavirus ezwaka batu nyonso soka mutu moko ayawa. Ako contaminer bino nyonso. Ngape na zo loba onction na ye ya kozwa visa Canada. Ezwa pe yo. Eko ma maladie contagieuse. Moto ba kopime le visa awa aza. Te. Ba ambassade nyonso fongole lo porte. Nous aimons maman. Nous avons lu ces trois versets. Totanga ki milongo misato yo. La Bible parle de la pluie qui tombe. Biblia za kobeta lisolo amvula o ezokwaya. Et Dieu parle du semeur. Pe nzamba kobeta lisolo ya moloni. Et du pain. Mpe ya lipa. Bien aimé. Balinga mi. Nous sommes au mois de la prémisse. Peut-être que Maman Kabibi vient de faire l'acte qu'elle vient de poser. Mettre une offrande dans le panier. C'est le fait d'arroser les champs de l'Éternel. C'est lui qui offre à Dieu quelque chose. Moto ya apesa kamoninga eloko. Il arrose son propre champ. Parce que la Bible dit celui qui arrose sera aussi arrosé. Ah, quand il donne à Dieu, quand il arrose le champ de Dieu, Dieu aussi va arroser ton champ. Le fait que nous sommes en train de donner à Dieu notre prémisse, c'est l'acte d'arroser notre champ de cette année 2023. Voilà pourquoi on a parlé d'un pays où il y a des fruits, où il y a beaucoup d'histoires. L'acte là d'arroser le champ de Dieu, de lui donner votre prémisse, c'est arroser votre champ. Vous ne connaîtrez jamais la sécheresse. Alors, ici, qu'est-ce que Dieu veut dire? La Bible veut dire, ou ce verset veut dire ceci, que Dieu nous donne le pain et la semence. Et je pense que vous avez bien suivi la lecture. Dieu nous donne le pain et la semence. Retenez cette chose, bien aimée. Quand Dieu travaille dans votre vie, c'est pour vous donner la semence
est le pain. Et surtout si Dieu rencontre un semeur. Surtout si Dieu rencontre un semeur. Un semeur c'est qui? Moloni azanani. Un semeur c'est celui-là qui sait donner les aumônes. Moloni azali oyaya yebiko pesa makabo. Un semeur c'est celui-là qui sait donner des offrandes. Azali yero amesana pe ayebiko pesa mabonza. Un semeur c'est celui-là qui sait payer sa dîme. Moloni azali yero amesana pe ayebiko kofuta moko na zomi. Un semeur c'est celui-là qui sait donner sa prémisse. Quand Dieu rencontre une telle personne que nous appelons semeur, Dieu ne lui donnera pas seulement la semence, il va aussi lui donner le pain. Quand Dieu rencontre un semeur, Il ne lui donne pas seulement la semence. Il lui donne aussi le pain. Est-ce que tu peux lire 2 Corinthiens 9, 10 pour éclaircir ce verset? Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain. Oui, interprété. Yende apesaka nkona na oyalonaka. Et du pain pour sa nourriture. Pe apesaka li papo ailia. Vous fournira et vous multipliera la semence. Ye akopesa mpe akoyika nisankona. Et il augmentera les fruits de votre justice. Il y a quatre mots importants, merci ma fille. Il y a le mot pain. Il y a semence. Il y a multiplication qui est représentée par le verbe multiplier. Il y a augmentation qui est représentée par le verbe augmenter. Donc ce verset veut dire que Dieu ne nous donne pas seulement la semence, mais il nous donne aussi le pain. Tout ce que Dieu pourra nous donner, tout ce que nous pourrons gagner dans la vie, sachons que il n'y a pas seulement la semence, il y a aussi le pain. Mais écoutez, notre vie sur cette terre tourne autour d'une loi. C'est une grande loi. Qui que vous soyez, vous allez fonctionner sur cette loi. Quelle est cette loi? C'est la loi des besoins. Il y a deux sortes de besoins. Il y a le besoin d'aujourd'hui, donc le besoin présent. Et le besoin de demain ou le besoin futur. Alors, je reviens sur la semence et le pain. Quel est le but du pain et quel est le but de la semence? Le but du pain, c'est pour résoudre le besoin d'aujourd'hui. Et le but de la semence, c'est pour nous rassurer que demain nous ne manquerons de rien. Qui est avec nous? Pour les problèmes de demain, Dieu va nous donner la semence. Mais amen. Pour les problèmes d'aujourd'hui,
Dieu nous donne le pain. Je reprends. Pour les problèmes d'avenir. Pour les problèmes du futur. Pour les problèmes de demain. Dieu nous donne la semence. Mais pour les problèmes d'aujourd'hui. Dieu nous donne le pain. Alors, je voudrais te dire. Excusez-moi de vous tutoyer. Je voudrais maintenant que vous voyez. Excusez-moi de vous dire. Ne semez pas votre pain. Et ne mangez pas votre semence. Amen. Fais tourner ta tête, sinon tu seras hors jeu. Ne semez pas votre pain. Ne mangez pas votre semence. Donc, mange le pain. Ou mangez le pain. Semez la semence. Dieu ne nous donne pas seulement le pain, il Amen. Donne la semence. Amen. La prémisse n'est pas un pain. La prémisse est une semence. Et si tu es dans ce principe, ce qui est dans la carte, tu auras une vie sauve pour aujourd'hui et pour demain. Je suis venu vous dire ceci. Que Dieu travaille pour que vous ayez du pain. Pour aujourd'hui. Et que vous ayez une semence. Pour demain, dans ces conditions, vous accomplirez votre destinée. Vous accomplirez votre destinée. Écoutez, bien aimé, quand les enfants d'Israël avaient faim dans le désert. Quand ils avaient faim dans le désert, Dieu leur a donné la manne. Dieu ne leur a pas donné la semence. Dieu leur a donné la manne. La manne, c'est le pain du ciel. D'ailleurs, il leur a dit, quand ce pain là tombe, mange ça seulement le même jour. Yes. Est-ce que Bazoyoka? Le pain, c'est pour résoudre les problèmes d'aujourd'hui. Mais la manne, c'est pour résoudre les problèmes de demain. Quand les enfants d'Israël avaient faim dans le désert, Dieu leur a donné la manne. Et il était interdit de conserver cette manne. La manne qui tombait, c'est pour être mangée le même jour. Si vous gardez ça, la manne va pourrir. Voilà pourquoi Dieu a dit. Aujourd'hui, lundi, la manne va tomber. Demain encore, C'est pour dire que le Père résout les problèmes du jour. Et God, Dieu a résolu un problème réel en Israël. C'est pas seulement pour ces jours-là. Si vous gardez ça jusqu'au lendemain, ça va pourrir. Le pain, c'est pour la consommation du jour. Il y a des choses que Dieu va vous donner.
pour seulement aujourd'hui et là kaka pona lelo et non pour demain apana lobité. D'ailleurs kutu la formule que Jésus-Christ a donnée aux disciples pour la prière mayelo yeso pesa baye koli pona lo sam. Il a dit alors bina bango dit ton père boko ebisa nzambe tata nous le pain et pesa biso li pa ya mokola lelo. Élevez votre niveau. Tombola et pimelono ya maele. Un enfant de mimosa doit avoir un esprit éveillé. Moi na nyonso mimosa sengela za na molimo efongwama. Entre dans l'esprit de la parole. Kota na likanisi ya matea. Partout où il y a des difficultés dans la vie des gens. Partout où nous voyons les gens qui étaient autrefois riches et qui ne le sont plus aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont confondu Balia aux mains croisées. Alia semas atikalipa. Yes. Amen. Yo lia premise na yo. Lia na yo. Me ba ki na kata premise wana banda kweza mitu keza makamu belezi. Na kata premise. Si ces gens-là souffrent aujourd'hui, Sogi lelo, batu ba konyo koma lelo. C'est parce qu'ils ont confondu. Eza po ete bango, bazwa ki mo bulu na ba mo bolia. Il y a des gens qui étaient hier véhiculés. Kala lobi, batu bele basaka na ba mitu. Mais aujourd'hui, ils marchent à pied. Lelo ya ba komi, kota mo la makolo. Parce qu'ils n'ont pas maîtrisé la notion. Po bango ba soso la kate mayele. De la semence et du pain. Ya, nkona nalipa. Dieu ne te donne pas le pain pour semer. C'est pour manger. Et il te donne la semence. Kasi apesa ka onkona to milona pour semer. Po okene kolona yango. Il y a des gens qui ont investi dans leur vie. Et là batu mususu ba bomba ba sala makamu na bomo ina bango. Pour leur lendemain. Oh ba sali lelo za pona lobi boya. Ils ne peuvent pas penser que aujourd'hui ils vont manger quoi. Et leur bomba ba sali ku tout lelo ba olia nini. Ah oui, il y a ces gens là. Et là batu bomo qui ont investi pour leur avenir. Bango ba bombi sa pona lobi. Et aujourd'hui là bien-aimé. Lelo lelo yo bali ngami. Les fruits sont là. Bambu me komi ko bima. Les résultats sont là. Bia ne komi ko monana. Il y a des gens qui ont donné à Dieu sans penser à ce qu'on va. Dieu a dit ne vous inquiétez pas. Et ça ba mususu ba pesa nzambe azo kanisa te ceux qui na pesa mona ko tika ko lia nini te. Nzambe ye mo konda lobi ako kanisa lo lobi na yo. Je témoigne. Mbala boni ngai na tato la wa ngai. J'ai donné à Dieu des fois la foi c'est la folie. Mais les gens du monde disent que qui ne risque rien n'a rien. Celui qui risque à faire Dieu ne perd pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ni un fils de l'homme pour te répentir. Il y a ceux-là qui ont confondu le pain et la semence. Et là, tu me Mulungana, katina lipa na nkona. Voilà pourquoi même Paul a dit dans 1 Corinthiens. Tala tina ngo Paul alobi na Corinthiens aliboso. Mangeons et vivons. Abi to li ape to mele. Car demain. Polobi to okufa. Il y a des gens pareils. Et là, bato bongo. Qui mange son aujourd'hui? Ya liaka. Et qui mange son avenir. Et je reviens pour vous dire, bien-aimé, la prémisse n'est pas du pain. Ce n'est pas quelque chose à manger. La prémisse est une semence. La seule influence que vous avez sur votre lendemain. La seule influence que vous avez sur votre lendemain se cache dans la semence. Se cache dans la prémisse. Le secret de ta vie meilleure dans 2023 se cache dans ta prémisse du mois de janvier. Et God, la sagesse Bwania
pour connaître telle est votre semence. Qui vous préservera le lendemain? C'est la sagesse que Joseph a donnée à Pharaon. Joseph a pensé qu'on n'a pas l'eau. Come on. On parlait de cette vache. Alors, bête à l'isoler. Maigre. Bangombe sambo obakonda. Et de fesses de cette vache. Grâce. Pharaon a vu cette vision. N'avait pas discerné. Et quand Moïse, plutôt Joseph est venu discerner. Tango, Joseph, Joseph leur a donné la notion de la semence. Joseph a dit. Joseph a dit. Joseph a dit. Toutes ces vaches grasses. C'est à conserver. Parce que les 7 années qui viendront, il y aura la sécheresse. Il y aura la sécheresse. Et c'est ce qui a épargné l'Égypte de la sécheresse. Pendant que tous les pays voisinants de l'Égypte crevait de famine. L'Égypte était le pourvoyeur. Égypte n'est parce que Josué a appris à Pharaon. Joseph a écolé ici palo. Ce qui doit être semence. Oyo enseignez à l'encona. Ce qui doit être le pain. Na oyo bakolia et mikolonios. Que vois-tu, sentinelle? Que parles-tu de la nuit? La nuit représente la fin des opportunités. La vie représente le temps difficile. Et pour pouvoir surmonter ces épreuves, il faut avoir la connaissance de la notion de la semence du pain. Et nous sommes coachés par un visionnaire. La sentinelle, c'est celui qui se met toujours au placé pour voir. Si il y a des moteurs à matakalikola et fait le point, mon amusika. Le visionnaire voit la sécheresse qui arrive. Ben mutazana misozo mon abokaukezo ya. Voilà pourquoi il nous apprend cette loi là. Dans la tira mon père c'est miso mon beko yo. Dès la prémisse. Mon beko mbumaya. Je lève ma main pour dire. Na tobo le moko na kana. Je lève ma main pour dire. Na tobo le moko na kana. Tu ne manqueras pas du pain. Yo rozanga li pati. Tu ne manqueras pas du pain. Yo rokaukate. Ces personnes là qui auront faim. Viendront s'approvisionner chez toi. Bah ouais, on l'a et pas inaio. Gana mona loboko wana. J'ai vu cette main. Gana mona loboko. Pendant la COVID. Natango ya COVID, ya corona. Ah, c'était pas facile. Il aura passé. C'était pas facile. Il aura pété. Foi ya batwe belé. Et Beba, à partir de la crise, voilà. Ça c'était un plan de l'ennemi. Hein. Pour fragiliser l'église. Pour fermer les églises. Pour étanguer sa église. Et l'eau qu'on a été retard, ma casse dans l'église. Faites attention au risque du diable. Le diable sait. Que si le peuple de Dieu ne donne plus l'offrande, il y aura de sérieux problèmes de l'air. Il y aura de la sécheresse. Mais qu'est-ce que moi je fais? Dans ma maison, Daddy prêche seul à l'église. Daddy l'église. Ça passait dans nos chaînes. Nous tous à la maison, on suivait Daddy. La télé, parce que les églises étaient fermées. Pour l'église est quand même. Et quand Daddy prêchait, même si l'argent était devenu difficile, si Daddy dit quelque chose qui me concerne, je me lève et je. On s'est organisé dans la maison, on avait un panier au salon. Toyokanaki nanda kotoza na kitunga moka mabonza. Mutu nyoso ya kosimba ma. Eh. Naliloba aseme. Atia. Je voyais même mes enfants. Non, moi, la bana. Même mes enfants. La bana, quoi. Même ma petite fille. Non, moi, la des fois, si je me pose la question, alors, baranini. Des fois, on est là, Dieu parle. Daddy parle. Chose, elle vient. Yepé, elle tient le panier dans la maison. Elle fait ça.
asimbi akangi misu aoningi samutu même à nos enfants nous devons leur apprendre et permettez-moi de vous dire bien aimé pendant cette période de Covid mon épouse est là on mangeait comme d'habitude et d'ailleurs notre maison était devenue un lieu de refuge ma fille Gladys n'était pas encore mariée. Elle était déjà mariée. Elle était déjà mariée. À toi, tu n'habitais pas. Tu étais venu. Je peux dire qu'il allait de refuge. Nous ne recommençons pas à citer des refuges. Amen. Égayé. Égayé. Bakaouta nord, est, ouest, Bahina Ndakoulia. David était venu. Il y a encore mes neveux, mes nièces. Ils sont venus trouver refuge. Chez moi. On mangeait, on ne manquait de rien. J'ai vu la main de Dieu. Même pendant la sécheresse, on mettait le fond dans les paniers. Et après, quoi que l'église était fermée. On passait à l'administration, au bureau des pasteurs pour remettre notre offrande. Je ne connaîtrais jamais la sécheresse. Après, on a besoin de magie. Hein? Vous attendez les résultats, mais vous ne respectez pas les principes. On nous montre les principes. Et moi, je suis entré là-bas. Moi, j'ai été initié. Et surtout les Quinois, quand il attend le verbe initier, il ne voit que la sorcellerie. Donc, il y a aussi l'initiation à la divinité. Et c'est que je suis en train de prêcher là. Je suis en train de vous initier à la divinité. Toi, tu seras une cité de refuge. Vous savez pourquoi on dit cité de refuge? Parce que l'arche de l'Éternel était dans la maison de David. Non, je vais expliciter. On a, comment les Philistins ont renvoyé l'arche qu'ils ont confisquée. Et pendant que l'arche était acheminé vers la maison de David. Il y a quelque part où la charrette a pu. Ouza a mis la main. Ouza a lingai ko simbango po ekoyate. Ouza qui signifie courageux. Ouza zai motampiko. C'était pas son travail, il nous salait à sacrifier. Il était pauvre. Azaki mbola. David a sundo le liam. Abe ko vandawa. Obede don se lo ba chercher Azaki. Il était un chantre. Azaki moyembi na ninga bato ba maila ko luka ko yeba mako. Il vivait dans une pauvreté hors pair. Azaka na bobola oyo ezanga kombo. Les archéologues ont trouvé sa maison et ils ont vu des archives des chansons qu'il composait cet homme. Malgré qu'il était dans la misère, il chantait toujours des chansons de gloire. Il disait toujours j'aurai beaucoup d'argent. Dieu va me bénir. Je ne manquerai de rien. Pendant qu'il dormait affamé même 3 jours. Mais ces chansons disaient le contraire de ce qu'il vivait.
même si ça ne marche pas, ne ferme pas ta bouche. Une destinée ferme, une bouche fermée est une destinée fermée. Confesse toujours le positif. Nous avons vu dans la Bible, auprès des dons pauvres, mais des chansons. Et par force, on a déposé David dans sa maison. Parce que l'arche a trouvé quelqu'un. David avait peur. David a peur. Et quand l'arche est restée dans la maison d'Obed-Edom, je t'ai dit, il y a eu un débordement. L'arche, c'est la présence de Dieu. Cet homme Obed-Edom était béni. Moto Obed-Edom a connu un débordement. Je parle à quelqu'un qui vient à pied aujourd'hui. Je parle à quelqu'un qui n'avait même pas à manger ce matin. Avant la fin de cette année, Libosan voulons ici là, maman, débordement de gloire et de richesse. Voilà, là il y a mon arati et ça va hérésie. Ti et ça va au Kosangai. Boukoulou, fufu, netwe na tongo, plein essence, plein. Toute la journée, on sent ça va course. Ton lycée sens, la carbine, la moto, la tote, tu n'as qu'une colline à recommencer. 4h du matin, tiens, tu vas foufou. Tu es quoi, ça? Il y a un lobby, il faut battre tes capacités. Je ne vais pas battre mon loup, je vais le faire. Yo, là, mais là, foufou, attends, on a pour nous à l'eau. Yo, kokanga, yo. Nana, ma tata, il a fallu gagner. C'est ça. On peut manger à volonté. On a rien à poser. Bamso va dire à Bilou au Moro Pascal Zangi. Aïe, il n'a pas ça, il y a ni bata. Mais a commis au Wangila. Pour Zangi, il y a un peu de ça. Ma camouane est sili le lot. Moka, il y a un peu de ça. On a pas ça. Obed-Edom était béni, béni, béni. Obed-Edom a pas moi, ma pas moi, ma pas moi. La Bible dit même pas pourquoi y'a ndakou n'aye talaminene. Oui. Les commentateurs ont dit. Bato ba yé koli, ba n'a pas pourquoi y'a ndakou n'aye. Bamboua y'a ndakou n'aye, bamboua ndakou n'aye. N'a bamboua. Surtout quand y'a bino, milou, tala, vache maigre. Bouda n'a mouana le pangou. Aoulé a dit, yo mouana. Yé mouana sa expression. Yo mouana, yo mouana. Les gars, ce moment, on a fait la chair à race. Nathalie, Moutoubo, on a fait la chair à race. Ah, il y a eu mon goût aux arbres sang. Bon, on laisse à Eline. Obed-Edom était béni. Obed-Edom a pas moi. Quand David a remarqué cela. Quand David a bon niveau. Ah bon, c'est une bénédiction. Eh bien, ça nous est bon. David a récupéré l'âge. A récupéré ça nous. Il l'a amené chez lui. A Zogi, ça, on a n'a qu'on a. Et la Bible dit. Ne bibé à l'obé. Même les voisins d'Obed-Edom. Ne baton, dis-nous à Obed-Edom. Était béni. Papa, moi, ma ka. Même les voisins. Ne pas voisins. Je déclare. N'a l'obé. Oh, yo, toi, qu'on s'en a n'a yo. A qu'on s'en a l'obé. La lotte à côté d'Abraham. Amen. Aïe, 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 aïe. Donc il fallait seulement on s'alla tout autour y'a ndako obé de don. Et quand David a repris l'âge, David a botoli sanduka mibeko, il a mené chez lui. A mémia on a ndako ne. Ba toutou oba la ki singa singa obé de don ba déménager ba otu ba landi David. Voilà pourquoi ma bengi yongo cité de refuge. Ba bengi yongo mboka ya ko kimela. Parce que l'âge est là. Po sanduku yeke kuna. Et pendant la COVID, l'arche était dans ma maison. Mais dans le coronavirus, sanduku est pas là. C'est parce que vous avez remarqué une vidéo. N'habitez pas mon vidéo, moko. Une vidéo. Vidéo, moko. On a mis la chanson de Moïse. Oh, bah, tu as un Moïse. En famille. Tu as un robin à la carte. Pendant que les autres pleuraient. Nathan, bah, n'y a pas de nous, on. Biso to tiens, mais tu as un robin à ma carte. On fait. Tu as un robin à la carte. C'est Joseph qui a appris à Pharaon la notion. Joseph n'est pas Pharaon.
Maele ya kobomba. Discerner. Sosola. La semence. Yebakankona. Et le pain. Na lipa ya kolia. Beaucoup de gens souffrent aujourd'hui, bien-aimés. Et bela batwa onyo kama lelo balingami. Beaucoup de gens souffrent aujourd'hui. Et bela batwa onyo kama lelo balingami. Parce que quand on lui donne $2,000. Bosso va payer $2,000. Il court à quel projet yaba Congo ko sala makala. C'est pas mauvais. Ya ma bete. C'est pas mauvais. Ma bete. Mais réfléchis bien. Kasi zana maele mingi. Est-ce que dans ce que Dieu t'a donné? Yango na nyoso na ma pensi wa. Il y a seulement du pain. Et daga na lipa kolia. Il y a pas de semence. Koneza na katite. Oh yo, tu goes away. Koneza na katite. Olia avocat. Olia na moko ko olia avocat. Voilà ma lia ngote. On ne mange pas la semence. Balia kan kolete. Moko koli balia. Ba mbu ma pai pai. O mona nenga ma sebe ko bima. Wana balia kate. La prémisse on ne mange pas. Mbu ma ya balia kan ngote. As dans ce $2,000 na kepena na ba Congo na zombie terrain na sali makala na zio lokote. Oh oh yo zui wana. Dieu ne nous donne pas seulement le pain, il nous donne aussi la semence. Zama pesa ka liberté a pesa pe kona. Une famille que je connais. Les bota moko nga na yebi. Ils ont vendu leur parcelle. Ba teka ka lupango na bango. A Gombe. Na Gombe. Une parcelle qui coûtait cher. Lupango ezaki ya talo. Et ils ont partagé cet argent. Chaque enfant avait $60,000. Moi, Azaki na $60,000. Un garçon, quand il a reçu ses $60,000, oh, yamobali, mokota, mazi, ya ye, 60 000. Il a parlé avec son ami. Akiko, so, na, moningane. Son ami vendait aussi sa parcelle. Moningane, pe, anote, galupango. Et son ami lui dira, pe, moningane, alobine, prête-moi ces $60. Yo, pe, sanga, 60 000, je vais te les rembourser avec intérêt. Na, gozongi, se, yona, mbongo, le, kalikolo. Intérêt de $20,000. Na, intérêt 20 000. C'est-à-dire, je vais te rembourser $80,000. Il a pris tous ses $60. Il a donné à son ami. L'ami a pris l'argent. Ils ont tout cherché pour vendre la parcelle. Personne ne s'est présenté pour acheter. Personne ne s'est présenté pour acheter. Jusqu'au point où on l'a escroqué cette parcelle. Et maintenant, son créditeur. Mokolo moto defaki mbongo. Même vite. Atika mabo pamba. Abungisi na mbongo na lupa. Ses enfants, ils n'avaient plus l'argent pour payer les Minerval. Na ba na zaki sur mbongo futa Minerval te. Pour ce contexte, je dois changer le principe. Na likambo esengela na mbongo na maele. Même si le Minerval au pluriel c'est Minerval, mais moi je dis Minervo. 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 Il n'était plus en Messie. Azaki na makokite. Et voit même sa femme. Ah, c'est tout passé dans mon bon. N'est-ce que on est n'est-ce qu'il n'y a pas de Nicolas a posé un bon. Té. A ébi principe té. Y a semence na lipa. Aliaki nkona na lipa l'énios. Écoutez bien aimé. Yoka molinga. Place nde batu basukaka. Bateki ndaku. Ba pesi $30,000. Eh! Na pesa di ma $3,000. Pasera ye bate. Eh! Pasera pa ye bate benzamba we. Eh wana nde ko ba matata. Soyez comme belé. Ah ah, parce que à quelques jours de la rentrée scolaire. Et tu calme comme Mickey, pas de problème. Épouse, on avait que $400-$300. Ah. On savait quoi faire avec tous nos enfants. Tous ceux qui n'ont pas eu 400-$300. Quatre étaient scolarisés. Ben a miné bah aucune classe. On lançait l'appel de fonds. Tant bah on s'est rendu en église. J'ai dit à mon épouse d'ailleurs, on n'arrive même pas à totaliser l'argent qu'il faut pour leur payer les uniformes. Goutou nambongo to anango. Et koka so ma uniforme et na Minerva. Ça c'est pas du pain. Oyo ezan oli paté. Ça c'est bien. Oyo ezan kona tika tolona. Et il a pris tout. Nous avons pris tout. Peto zimbongo nyonso. À quelques jours de la rentrée. Et tika limikolo mike bana bazo. Nous avons semé. Tolona. Nous avons compris que cet argent là n'était pas du pain, c'est de la semence. To sosoli teli mbongo ezan oli paté ezan kona. Quand nous avons donné. Tant to pesaka.
Le même jour après le culte, à la fin du culte, une femme qui cherchait des enfants, elle avait beaucoup de moyens. Elle nous approche pour dire, Papa Nzambe n'a une fois ça là. Combien d'enfants sont scolarisés? Moi j'ai dit 4. Il a dit, fais la totalité de tout. De l'année pour tes 4 enfants. Le père est venu. Simon, il pas allé payer. Et on a payé. Peto futa. Pour toute l'année. Pour nous voulons mobile mabana mine. Pour toute l'année. Pour moi qui vous prêche. J'ai expérimenté ces choses. La pika ango. Mon épouse est là. Moi c'est l'angaye. Mon épouse est là. Il y a des gens qui ont exagéré. Donne-moi un de tes enfants qui va étudier dans mon école jusqu'à ce qu'il va à l'université. Ceux qui interprètent. Ceux qui ont étudié en tour à midi. Tour à midi en français. En tour à midi. On a interprété. On a outil classe à son lobby. On mange à midi. Tout c'est dans le Minerval. Nous on s'en a Minerval. $6,000. Mais vous t'as rangoté. Nous on s'en Babylon quoi à classe. Oh maillot de bain pour la cour y a piscine. Ah. Bah école à bon moment. C'est la piscine c'est l'école. Gai na sokola kaka wana maya makele le yao. Na ah, na nzo pinzo, na polygon. Ah. Moi j'ai expérimenté ces choses. Voilà pourquoi d'ailleurs, quand quelqu'un lance un appel, si c'est très difficile que je ne me lève pas pour donner. Yango mona ngai comme la nga passi, na télé maté, na pesa té. Soki muta télé mi asengi mon sol. Era vacances, on se voit en Belgique, on se voit en Bruxelles, on se voit à Londres, on se voit. Moi na ngai, ah kenda congé té bande ko. Tellement que neki ba sakani ne pe mingi. Abana ne ko voyager té moninga ne me retourner toi tu iras où? Yo ko kenda à Bruxelles. Je serai à Bruxelles. Ma bi petit yo za danger yo munoko yo kasi ya mwana nanya koma ibabati. Dieu connaît le pouvoir de la parole. Nzamba yebi nguye za na kati ya maloba silika ki pole bana Israel ba yimaki na desert alobi lokola bolobi bongo bozonga Egypte bokota su kanate bokufaka na desert oyo ba kokota kaka Caleb na Josué. Effectivement, bah descendant la bande de Bakota qui n'a pas été promise. Mais Caleb n'a Josué Bakota qui banne Égypte. Bango a mis banne Bakota qui. Nous avons malobi na kosa la on a qui bino bolobi. Albanie on a kanda en cause de l'incrédulité. Il a dit ça. Nicolas Moté Mackenzie. Il était fâché. Silicon Valley banne Israël. Alors tant nous avons Abimeli Jean Baptiste. Bible, ils ont vanté Jean-Baptiste. Hein? Ils ont vanté Jean-Baptiste qui craignait Dieu. Fidèle à Moussa Lanzam. Fidèle à Makambo Kilikin. Balobi d'ailleurs, Adagi dans la lignée à Aaron, famille lévitique. Il servait Dieu jusqu'au dernier moment. Aïna offrande d'ailleurs. Mais il n'avait pas l'esprit ou la foi des miracles. Aïna dans mon livre, on a connu ma bika moite. Aza ma casse de ma bosse. Mingi pe basan église. As un intercesseur, dans ma casse la prière. Mon souci pas dans ma casse na roteya. Mais celui qui a me collé lié. Là, c'est revivre. On a une nouvelle bague prière les agents à l'école du club. Na mon logo dans un bangwaza na été. Mais nous nous sommes dans une église. Bas Zacharie bangwana.
Il a la crainte, mais belé batou ba na foi ya miracle té. Tambou ange ayé boya bisayé. Que atambou le poussani ozozwa mwana. Yokaye. Wana Zakari tata jamba. Ayé boule poussani, moi c'est ngapé boule poussani na moni. Ange lingité maloba né bima po eko kanga. Eko bloqué. Yangala comme ça qui est baba. Beaucoup de gens. Batebele. Voilà pourquoi un jour j'ai dit ici, même les géants vont tomber. Dans le bac, mon gars, il y a un exercice et à prémisse. Dans mon salaire, à mon mayambo. Même ceux qui prêchent ici. Naba, oh, tote à ka. Ils vont échouer. Bako katana. Et toute prémisse, ngai mon gars, on a beau y m'a ramboya. Merci prophète. Alors, je vais terminer en disant ceci. Bah, ma oh, salaire à l'bosso pèse à papa. Où est-ce qu'ils ont mis ça? Bah, n'est-ce pas? Cette pratique existe, n'est-ce pas? Thomas, ça n'a pas ça prêchez avec moi, église. N'est-ce pas que ça existe? Bon, entre notre papa et na, Dieu, qui est hey. Le premier à exister. Na, non, aza, mukolo. De Corinthiens 8 dit que personne ne fasse de vous sa proie. Par des philosophies humaines. Ça c'est la philosophie humaine. Ce n'est ni Dieu ni Satan. C'est l'homme. L'homme est dangereux. Il y a une fille à Tchelo Tchad. Ma fille a chez le chat. Loi, on a un balai qui est passé par l'hérité. N'en a pas ça. Moïse, est-ce que c'est un zambé? Il y a maintenant que Moïse a retourné en zambé. Nous avons même un soir qui n'est pas beaucoup. Bon, ça, la bino. Mais à ce c'est cas. Ah, bien, ils ont un mensonge. Le rappel, bon, mon reçu, il va télémiter. Il n'a pas de recours à ma ramena bamoté. Mais quand les filles de chez le chat se sont levées, tant que ma basse à ses obsèques, ma télémie. Bah, écoutez, ça, Moïse, Katali Kambou. Moïse qui avait publié cette loi. Moïse, vous tapez ça qui m'a bien convaincu. Il est allé demander Dieu. Et qu'est-ce qu'on retourne en Zambie? Mais Dieu a dit. Zamba lobi na ye. Les filles de Tchelo Tchad ont raison. Bana Tchelo Tchad ba lobi solo. Loi wa ne zaki na mon Zambie te et zala ki Moïse. Je ne suis pas contre votre papa. Na tele meni tata te. Si vous voulez donner votre papa. Solo ngo sunga papa. Mais écoutez. Yoka. La prémisse veut dire. Commencement. Ebandeli. Et la Bible dit au commencement. Bible lobi ebandeli nzambe. C'est pas ton père biologique. Et tata. La prémisse en hébreu veut dire la tête. Prémisse na ba ela elingoloba mutu. Voilà pourquoi la tête de l'église qui est Jésus-Christ a été sacrifiée. C'est là mutu, l'église de Jésus, mais c'est pas ça va m'embêter. Cela nous a mené au principe de la multiplication. Voilà pourquoi nous sommes nombreux tels que nous sommes là. La multiplication vient de la prémisse. L'augmentation, c'est la prémisse. C'est pas ici que j'ai dit cet homme, un garçon, il était vraiment doué. Ah, tenez, na loba qui était là. Moi, na moga mo bale ara mayele mi. Il est parti en Italie. A kenna na Italie. Il parlait 5 langues. Abanda loba en kota mitan. Français. Français. Anglais. Anglais. Italien. Nak italien.
Kikongo. Na Kikongo. Lingala. Na Lingala. Il était aimé par les Italiens. Ba Italien ba lingaka emakasi. Quand il a eu son premier salaire. Tant qu'a dit foot il a liboso. Il a envoyé ça à la famille. Atini ngona libota na. C'est pas mauvais. Il a ma bête. Mais pour lui au commencement la famille. Po na ye e bandelina no libota na. Et quand l'argent est arrivé dans la famille. Chigo mbongo yango ye na libota. Les gens ne se sont pas entendus les membres de la famille. Na na kokabola ba yokanite. Certains ont dit ngazu muke yazu ebele ngazu muke yazu ebele et ainsi. Ba soane limbongo na ye ya liboso ya musala. Et mécontent ont dit à son papa. Ba to ba sepela kite ba lobina tata. Soa bongo ngo to trapper moi na ngo so roler na ye. Ba kineli mbongo. Et les garçons un jour dans la salle de bain. Moi, mon bali mukolomo dans la salle de bain. Il a glissé. Assiedi. La tête s'est cognée. A touti mutu. Sur le carreau. Na carreau. En coma. A koti coma. Coma. A bungisi makanis. Entre la vie et la mort. A koma ikati aliwana bomoi. On est allé prier pour cet enfant, le garçon. Dieu l'a quand même guéri. Bien que Dieu l'a guéri. Mais il a perdu toutes ses connaissances. Il a même perdu le français. L'anglais. Anglais. Italien. Lingala. Lingala. On lui a laissé seulement les Kikongo. N'est-ce pas que j'ai dit ça? Hein? Qui se souvient de ça? Et toi maintenant en Italie avec Kikongo, évolue. Si go yo za na Italie kuna sa mosa na Kikongo totala. Quand il voit monsieur Malaconi. Soka moni monsieur Malaconi. Abwengei. Eh bwenge. Du chinois à l'oreille russe. Wana olo ba kishinona lito ya russe. Babungi sie mayele nyos. Et il a même oublié tout le monde, il ne reconnaissait plus tout le monde. La seule personne qu'il reconnaissait. Motoka moka no yeba. Monzali. Hein? Et Monzali lui aussi est devenu, n'est-ce pas? Monzali, Monzali à Belingoma. La seule personne au Yazo reconnaître. Hein? Yeba Koufa. J'ai déjà dit ça quand on ne parlait même pas de prémices. Ah, na loba ka ngoku tuna tote ama ma prémices te. Prémices veut dire la tête. Mbuma ya mbo lingo loba mutu. La tête de l'église était sacrifiée. Mutu ya église ebi pesa. C'est Jésus-Christ. Et Yesu Masia. Et la Bible dit. Pe bibi ya lobi. En hébreu prémices veut dire premier part. Na ba hebela prémices ngolo ba eteni ya liboso mokokoli. Et dans la Bible version la version là que français courante. Non. Darby, le semer, Thompson. Parole vivante. Parole vivante. Dans la version parole vivante, on dit si la première part est à Dieu. Na eteni ya parole vivante malobi. La première part du pain est à Dieu. Soki mokokoli ali pa opesa ngo nzambe. C'est que tout le pain est à lui. Engolobe te li pa mobimeza nzambe. Si tu donnes la dette de l'année qui est le mois de janvier. Soki opesi mutu ya mvula eza janvier. C'est que toute l'année appartient à Dieu. Engolobe te mvula 2023 mobimeza nzambe. Boye. Plusieurs fois, moi, on m'a pris mon salaire. Plusieurs fois. Malé belé, ngai ba besoin ngai li futi ngai. Malé belé. Je me souviens l'anniversaire de Dad. Nazoé ba anniversaire ya tata. Tous les pasteurs devaient donner, cotiser. Dieu a parlé dans notre prière. Ma pasteur nous a signalé parce qu'il s'est mis sur le nez. Nous devons lui donner tout notre salaire. De signaler qu'on paie ses li futi la bise nous. Obimba. C'est comme là de pas cupide. Hein? Mutona ya la lokosa mbongote. Toute l'église a cotisé pour lui. Il avait plus ou moins 150 Église mobima to sangisi mbongo pona ya zaki pena 150 mais avec cet argent il a acheté pour l'église la parcelle avec il n'a pas Azu mbongo wana ami sombeli mutuka te kasi asombeli l'église lupa. Pour vous dire que c'est pas un cupide. C'est un homme de principe. Aza mutu ya lokosa mbongo te. Nous avons tous donné notre salaire. Mukolomo to pisi ma foot la mission nyose mbima. Je vous dis quand j'ai quitté là où j'étais. Na ebisi lota na longa bisika na dalaka. Pour aller, oh God, j'avais pas un problème de garantie. Pendant que les biscuits, les amas, comme un bon gars, vous foutez un dingue dans la moi, je le confirme que mbongo est à ma tête. Un musicien païen a dit mbongo est à ma tête. Moi, je dis mbongo est à ma tête. Bah, au yiba, au lelo, mais l'obi mbongo aussi, mbongo carré. Eh, et que botte à mon sous.
Et surtout si tu donnes, tu Ming, la bonne terre. Ne regrette pas. Que Dieu nous bénisse. Tikanza mapa molabino. C'est très difficile. Moi, au moins ma grande prémisse, il faut ma couple là-bas, tu vas soigner. Il faut moi soigner, tu vas soigner. Yango wana et soigne ça quand même moi c'est dans mon bal. Moi, je vous ai dit pour elle. Parce que c'est elle qui garde.